quelques astuces. Déjà, protéger ses escaliers. Donc, on part sur une barrière. Je vous conseille de privilégier les barrières à fixation, à faire des trous dans les murs qui sont quand même beaucoup plus solides. Après, on va pouvoir faire attention au niveau du canapé. Il y a beaucoup de chutes sur les canapés. Donc, le principal conseil qu'on peut vous donner, c'est de poser l'enfant sur un tapis d'éveil dès le plus jeune âge. On évite de boire toute boisson chaude ou de cuisiner avec un bébé en porte-bébé, par exemple. Ici, vous faites un C autour de la bouche et vous placez votre enfant sur votre avant-bras, sur votre jambe que vous mettez un petit peu en avant pour faciliter la désobstruction. Ensuite, avec la paume de votre main, vous allez faire 5 tapes entre les deux omoplates. 1, 2, 3, 4, 5. Si l'objet ou l'aliment n'est toujours pas sorti, vous allez retourner votre bébé, venir sur votre autre jambe, et là vous allez faire des compressions thoraciques avec deux doigts, que vous passez ici, entre les deux mamelons, et vous allez appuyer à 4 cm de profondeur 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous répétez l'opération jusqu'à des obstructions, ou jusqu'à l'arrivée des secours, ou que votre enfant tombe inconscient, où il faudra faire d'autres gestes.